la métro. Toi, tu vas bien me servir. Les primes. Maintenant j'en pleure. C'est forcément ça. Bon, où t'as planqué le matos, Léon? Je vais regarder ça de plus près. Je savais pas. On a quoi? Peut-être dans un de ces trucs. Bingo. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Boozer! Boozman, tu m'entends? Tu vas pas me croire! Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? Un hélicoptère du Nero! Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer! Après tout ce temps, des fédéraux qui débarquent en hélico? Je vais les rattraper! Et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent! Hey Dick! Fais gaffe! T'approche pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Ne fais pas de conneries! Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va! Presque à court. Ok. Ah,
Ça t'a plu ? Non. On apprend tous les jours. Petit chaton, tu veux bien bouger, s'il te plaît ? Voyons voir.
Attends. Ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. S'il me voit, je suis foutu. Crève de froid ici. On va monter le thermostat, bonne combi. Commence à pleuvoir. Ça va faire sortir les moutons. Putain, il fait hyper froid. Et votre chauffage intégré ? C'est pas la mort. Merde. Vous allez bien ? J'espère que je vais pas tomber malade. J'ai trop besoin des crédits de service. Ça va ? Ça devrait détourner leur attention. Combien de temps ? Aucune idée. On aura fini quand le... Donc le dira. Il y avait une tonne de mutants vers la grotte. Quelqu'un a entendu ? On n'avait jamais vu autant, je crois. C'était même pas mon tour sur le tableau de service. T'arrêtes de te plaindre. Putain, je déteste ce temps. Ouais. Vous avez tout ce qu'il vous faut. J'en sais rien. Je me demande bien ce qu'on vient foutre ici. On a tout ce qu'il faut. J'ai vérifié. C'était même pas mon tour sur le tableau de service. Si, j'ai revérifié toutes les assignations. Combien de temps ça va prendre ? Il devrait plus y en avoir pour longtemps, le doc sait ce qu'il fait. T'as l'air ? Ça change de quoi ?
pourrait se planquer derrière les buissons. L'alarme du périmètre. Ok, ok. Pierre, ça devrait détourner leur attention. Putain, il fait hyper froid. Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 500 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé. Salut Doc, vol 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous? Non, c'est O'Brien. Compris. Et merde, ben, où j'en étais? On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert, désormais désignée site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photojointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des coqs en pâte là-dedans. D'après les capteurs de mouvement installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Vous en prépare. Vous écoutez ce que je vous dis. Il y a plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stades 3. Évident, comme des bébés. Et j'ai demandé si... C'est pas possible. Je ne suis pas proposé. Ces spécimens ne dorment pas, ils hibernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Oui, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. Faut que j'avance baisser. J'en ai vu un mettre mon pote en charpie, comme s'il pelait une banane. Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde, je suis désolé. Mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait la grotte, on, je sais pas, on réduirait leur population? Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. Complètement une grotte. Comme si ça changeait quelque chose.
Ok. Je me casse. Ça devrait détourner leur attention. Première nouvelle. Bon, faut que j'avance baiser. Faut que je reste derrière les forêts.
Boozer, tu me reçois? Boozer, réponds! Vic, salut, je te reçois. Quand on a quitté Farewell, le mec du Nero, le soldat ou je sais pas quoi, celui qui a emmené Sarah. Attends, de quoi tu... Il portait un badge, il avait quel nom dessus? Oh putain, oh Brian, t'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Threefinger Jack. Ok, il est vivant, Boozer, il est vivant! C'est pas possible! Comme moi, que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute, je suis entré dans leur zone d'atterrissage. T'es entré dans leur ZEDA ? Mais t'es con. Écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Parler d'un certain O'Brien. Nick, c'est pas ça. Non, Boozer, inquiète, je vais juste... Essaie de dormir un peu. Terminé. Hey Dick, t'es là? Je pensais descendre au camp de bûcheron pour me débarrasser des nids. On voit de plus en plus de mutants par ici. Boozer, non. Non, tu vas finir par y rester. Il faut que t'attendes d'être rétabli. D'accord? Je suis pas loin, de toute façon. Je vais m'occuper de Seni. Ok? Ouais, ok. Merci, Dick. Non, il vaut mieux attendre la nuit. Il y aura moins de mutants dans les nids. Ou alors, je m'en occupe pendant qu'il fait encore jour. Ils seront plus nombreux, mais moins malaises. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre a débarqué, ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté quand le monde a commencé à partir en couille. Moi, j'ai eu de la chance. La plupart de ceux qui ont osé défier les fédéraux, ça s'est mal fini pour eux. Les cimetières sont pleins de martyrs. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais. Parce qu'on a voulu me faire taire aussi. J'ai lancé Radio Libre Oregon quelques semaines avant la chute des fédéraux. J'ai m'étais depuis un fourgon banalisé que je déplaçais de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Non, Cope, les cimetières sont remplis de mutants, pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger, c'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Ou pour pas avoir à écouter tes conneries, là, de Radio Libre Oregon. Ah, c'est brûlé. Donc, il me faut du pétrole.
Est-ce que j'ai du... Ça brûle avec un cocktail Molotov. On va dire que oui, hein. T'inquiète, Alvarez. Je vais pas te laisser en pâture aux mutants. Repose en paix. Ils pourront plus rien faire maintenant. C'était bien ça. Boozer, tu m'entends? Où est-ce qu'il est ce truc? Ok. Dick. Je m'en suis occupé, d'Alvarez, je veux dire. Merci, vieux frère. Elle aurait fait pareil pour nous. Ouais, t'as raison. Terminé. Waouh. Par contre... Tu es encore, toi tu es là. Non, c'est pas toi.
Donc ça c'est la nuit, ok. D'éducation. Ce serait ça le lieu. C'est hein. Non, je dois reculer. La sortie là du cimetière. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Vous les avez peut-être vus ou entendus. Et vous
vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non, ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. On pensait que le Nero et tous les autres étaient morts là, dehors, écrasés sous le poids de leur stupidité. Mais non, comme je l'ai dit, ils se planquent depuis le début, en attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Mais ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. Et allez pas vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur uniforme sont morts il y a plus de 2 ans. Ces types-là, ils vont tirer à vue. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Oh, mais putain, Cop, ils vont rien récupérer du tout. Tu racontes n'importe quoi. Enfin... Si ça, c'est la marque. Bon, on va essayer ça. Une petite maison. Bon, on va dire que c'est ça. C'est la petite maison. Là, c'est le cimetière. Au-dessus. On va essayer quelque chose, hein. Peut-on jeter à 30 mètres? Saleté de mutant. Ah.
Ça sonne. Bowser, tu m'entends? Ouais, Dick. Je m'en suis occupé. D'Alvarez, je veux dire. Merci, vieux frère. Elle aurait fait pareil pour nous. Ouais. Ouais, t'as raison. Terminé. Oui. Qu'est-ce que j'avais vu? Scénario. Non, je remonte la map. La viande.
jamais trop. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Vous les avez peut-être vus ou entendus. Vous êtes que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non, ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. Vous pensez que le Nero et tous les autres étaient morts là, dehors, écrasés sous le poids de leur stupidité. Mais non. Ils se planquent depuis le début, en attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Mais ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. Et allez pas vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur uniforme sont morts il y a plus de 2 ans. Ces types-là, ils vont tirer à vue. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Oh, mais putain, Cop, ils vont rien récupérer du tout. Tu racontes n'importe quoi. Enfin, à part que, ouais, ils tireront à vue. T'as de la chance. Alors ici, il doit y en avoir aussi.
ça aussi, ça doit être un lit. Le nid. Il doit être par là. Ah ! Troisième. Ça peut m'être utile.
Non, je vais y rester. Aide. Attends, attends, j'arrive. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Le camp? Ouais. Où ça? Montre-moi. Je vais y aller. Peaceful Lake, Mark Copland. C'est un lieu sûr. Oh, j'étais foutu, putain. Heureusement que t'étais là. Merci. Merci pour tout! Je m'appelle Deacon, ils savent qui je suis. Évite les routes principales et t'arrête pas! Bon, je dis toujours pas où est le dernier. Saint John, ici Copland. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas vu Boozer. C'est juste qu'il lui a envie de bosser pour moi. J'ai essayé de l'appeler, mais pas de réponse. Et comme tu roules avec lui. Bon, quand tu le verras, fais-moi plaisir. Lui de passer dire bonjour à son vieux pote Coop. Merci, terminé, la ferraille. Mais dites-moi, où est ce petit dernier? Non, personne n'a une idée. Ça m'a vu quelque chose que je n'aurais point vu. On cherche des lits. Ça peut servir.
mutants contre Marauder. C'est ça. Luttez-vous, les gars. C'est mieux que rien. Ou pas. Ouais, je préfère ça. Non, là j'ai tourné en rond. Un résidu là maintenant à prendre. Troisième nid à la neuneu. Et je cherche. Que descendre dans les grottes seront aussi chauffées. Il devrait y avoir quelque chose, quasi sûr et certain. Une autre balise du Nero. Ça vient de la grotte. Ah, la voilà. On dirait qu'elle est là depuis un bail. Enregistreur du Nero. Note de terrain 701. C'est notre deuxième expédition dans le système de cavernes de la grotte du Haut-Désert, aussi désigné Site 15. Suite aux recherches du Dr Black, nous avons confirmé la mort d'une grande colonie de Derma Maculatum. Des chauves-souris tachetées. Taille estimée de la colonie, 3 à 4 000.
Les spécimens présentent, en plus des symptômes attendus de musculature striée, des varices, une perte de pilosité, plusieurs marques de griffes et de dents, de membranes d'ailes, de coups et de membres brisés. On retrouve une cohérence avec le même comportement agressif du stade terminal vu dans les autres groupes d'animaux. En aparté, mais c'est quoi ce putain de virus? Il a poussé toute une colonie de chauves-souris à s'entretuer. Je suis bien contente de ne pas avoir été là pour ça. Je marquais des échantillons pour le labo. J'espère vraiment que le docteur Black a tort à propos de ce truc. Ouais, j'espère qu'il se plante là-dessus aussi. Un autre injecteur du Nero. Cool. Descendu dans le trou. Enregistreur, viens là. Note de terrain 2055, Adinda. Et O'Brien, t'avais vu juste pour le résidu de nid. Je sais pas comment t'appelles ça. On a fait quelques tests de base et... aucune idée de sa composition pour l'instant. Il faut en ramener au labo. Mais c'est bien psychoactif. Sur nous, en tout cas. Nous, les non-infectés, je veux dire. Marshall ne racontait pas de salade, en fait. Ce civil qu'on a autopsié sur le terrain, il était défoncé à ça. Complètement hors de contrôle. Le QG veut que tu rentres, Fissa. Terminé.
faire chez mes hommes. Tour du cimetière. J'ai été voir là-haut. Personne n'a une idée de où il pourrait bien être, ce Fanny? Troisième nid. Ben, il me semble que je l'ai, hein. J'ai enfin trouvé. Yeah!
d'un nid. Je le sens. La moto. Ça c'est fait, ça c'est bon. Ça c'est quoi? C'est
ça je connais pas. Pas assez de carburant. Bon, bah, on va aller voir là, hein. On va retourner voir, ou bien alors on fait le bûcheron. On va d'abord faire le bûcheron. Mais comme ça, ça va dégager un peu la zone. Ok, est-ce qu'on peut faire le prêt? On n'est pas sûr. Essayez de me piéger. On y est. La vache, ce camp va grouiller de mutants. Allez, faut y aller à pied, discretos.
Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Cette terre nous a été offerte à nous. Il y en a d'autres à l'intérieur. Ouais. Pour en tirer les ressources nécessaires à notre bien-être et à celui de nos familles. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui nous l'a laissé. Mais c'était pas suffisant pour certains. Ils en voulaient encore plus. Quand les réserves de carburant ont diminué, ils ont augmenté les prix pour consolider leur pouvoir. Alors on a voulu construire des barrages pour l'électricité, mais leur précieuse migration de saumon était plus importante que de pouvoir se chauffer. On a voulu couper quelques arbres pour construire nos maisons, mais les nids d'une poignée de chouettes tachetées étaient plus importants que toute l'industrie du bois. Maintenant que les fédéraux sont 6 pieds sous terre, disons qu'on a éliminé les intermédiaires. Plus personne ne peut nous empêcher de prendre ce qui nous appartient. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Mais tu sais quoi, Cope ? Le prix du carburant a bien baissé ces derniers temps. Le seul problème, c'est qu'il faut aller le chercher soi-même. Et aux dernières nouvelles, il y avait un paquet de connards qui essayaient de récupérer ce qui leur appartient. Ok, j'ai vu là où était la différence. Ouais, le vent, vous vous sentez comme ça, hein?
Flex. Ben, je l'ai déjà mis juste à côté. Perdu. Cocktail. Ça vous plaît, hein? Venez, bande de fils de pute, amenez-vous! Explique des choses également. Je pourrais en faire quelque chose. Ça vous plaît, hein? Venez, bande de fils de pute, amenez-vous! Moi. Combien il en reste? Oh!
faire. C'est efficace, les poubelles. À retenir. Ça devrait faire un beau feu d'artifice. Ok. Il doit y avoir un nid dans cette cabane. Okay.
trouver des sens. C'est ça plus mon problème. Ouais, le genre d'endroit où vous vous sentez comme chez vous, hein. Mais donne-moi du pétrole, moteur. J'ai plus ou moins dégagé tout le chemin. C'est pas de problème. Deux boutons. Il est trop maintenant. Est-il tombé? Huc. Pétrole. Est-il le gérer?
Ah, il va falloir que j'aille le rechercher là-haut. Plus digéré. Luc. Bordel de merde. Vous êtes tous chiés dessus en même temps ou quoi? Là-dedans, hein? Oh, oh, dans le fort traquenard! C'est un nid, ça? Oui, je pense que ça doit être un nid. Il vaut mieux que je sois prudent par ici. Il commence à crier dehors, je me suis dit que j'allais vous aider. Je vais vous réchauffer.
les gars. C'était le dernier. C'est pas trop tôt. Bowser, c'est fait. Je me suis débarrassé de Ceni. Il devrait y avoir moins de mutants dans la montagne pendant un temps. Hey Dick, comment ça s'est passé? Ils étaient nombreux? Ouais, mais je voulais m'en occuper de jour, vu que la lumière du soleil les gêne, tu sais. Ouais, c'est sûrement une bonne idée. En tout cas... merci. Merci de faire tout ça, Dick. Allez, repose-toi, Bowser. Terminé. Très bien, tu... c'est cool, moi, sur ta mission. Ça doit le faire. Ok. Interruption. Qu'est-ce que j'ai à faire là, logiquement, en termes de mission? On va faire un voyage rapide. Comme ça, on pourra éventuellement acheter une arme. Ouvrez-moi, j'ai pas toute la journée. Lifter, ouvrez. J'étais sur la route, parce que j'y refoutrais plus les pieds. J'ai croisé une meute de chiens ou de loups infectés. On appelle ça des sprinters. Salut. J'étais sur Manny. Bonne neuf. Tu sais où me trouver? Merci, mon pote. T'as besoin de quoi? Hey!
suite. J'ai entendu l'hélico du Néon sur. Besoin de rien aujourd'hui ? De rester chez eux au mégaphone. Apparemment, si t'as besoin, ils instauraient des zones de quarantaine. Je pensais que ça concernait son monde. Je crois que la fumée peut donner le cancer. Mais les gens étaient en pire. J'ai du mal à respirer. J'ai rien d'autre. Qu'est-ce? C'est horrible. Oh, salut. Salut, salut. Faire un tour pour me dégourdir les jambes. Tu crois qu'on va finir par monter? Eh, hey, beau boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais. A plus, mon beau. Je reviendrai dans quelques temps. Pas de réaction, non? Hé, hey, ne fous pas dans le passage. Okay. Je peux t'aider? T'as un problème? Eh, hey, comment ça va? Jesse. On dit que tu t'investis pas mal pour le camp. Je te dirai jamais en face. On te demande de faire le Manny. Plein. Ouais, toujours à refaire le plein. C'est ça, être un drifter. Je vais m'occuper de te la retaper. Passe me voir si t'as besoin d'autre chose. Ok. Quelle heure est-il? 14h. Bon, on va faire une petite pause. Puis on viendra faire la suite. Je vous dis à tout de suite, les viewers.